Alors comment je suis tombée dans les pots de peinture? En fait, c'est l'enfance, mon père était architecte et pour avoir la paix, on me mettait devant une table à dessin avec des crayons. Après, les pots de peinture sont arrivés dans ma vie un peu par hasard. Et puis pour finir, j'ai fait un tableau, 2, 3, 4, 10. Et en dehors des amis, j'ai commencé à avoir des inconnus qui achètent mes tableaux. C'était absolument extraordinaire. J'ai choisi la peinture au couteau, je dirais pas par hasard, parce que j'avais commencé quelques mois au pinceau, mais là j'avais des influences. Alors que quand j'ai pris les couteaux, j'en avais plus. Le fait d'avoir eu un père architecte m'a appris les lignes droites. Un visage a toute une architecture et une perspective. Et un œil, c'est rond, un nez a une architecture très complexe, une bouche peut-être plus simple, mais le visage entier a une architecture très, très compliquée. Je veux refaire le visage humain. La peinture au couteau m'a permis aussi de faire des découpes, d'enlever toute mollesse et de vraiment structurer les visages. Le mieux, c'est quand on commence à maîtriser beaucoup, c'est d'utiliser les plus gros couteaux. Et comme ça, on prend plus de risques. Autrement, j'arrive à une telle technique que je peux arriver à de l'hyperréalisme et ça n'a aucun intérêt. Au début, je ne connaissais pas les pigments fluo. Je les ai découverts et ça a déformé mon sens de la couleur. Je ne peux pas vraiment m'en passer. Et suivant les couleurs, il y a des textures qui doivent être très très souples, voire liquides, et il y a des textures qui doivent être dures pour recouvrir, etc. C'est très difficile d'arrêter parce que le plaisir est intense. Donc on a envie de continuer à couper et à un certain moment, coup justement est là. Mon assistante est là pour dire « tu arrêtes ». Mais le tableau n'est jamais fini. À ce moment, il faut arrêter. Il faut que le tableau me séduise en dehors des traits, des couleurs. Il faut que je lui donne la vie. Si je ne lui donne pas la vie, il n'existe pas.